Et salut la confrérie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo où on va faire des combats classés sur Pokémon Violet. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire sur ce que j'aurais pu mieux faire en combat si vous êtes assez calé sur le sujet et que vous avez vu des misplays sur mes parties. J'avoue que je suis pas non plus... J'ai une expérience en classé, mais je suis pas non plus encore professionnel sur Pokémon. Donc, c'est possible que je fasse des gros misplays des fois. Il y a quand même une majorité des cas où je m'en rends compte, mais je m'en rends pas toujours compte. Donc, si des gens s'y connaissent, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager à vos proches ou à des amis qui sont fans de Pokémon et qui aiment regarder du contenu sur les nouveaux jeux et qui ont besoin de conseils ou quoi pour la stratégie. Ça pourrait leur être utile. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si vous aimez ce type de contenu. Comme ça, vous ne raterez rien. Et aussi à activer la cloche, pardon. Comme ça, vous ne raterez rien des prochaines vidéos et des prochains lives que l'on fera sur Pokémon Violet et Écarlate avec mon frère. Donc, si vous aimez, c'est tout bénef pour vous. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour la publication de mon équipe stratégique l'autre jour. Il y a une bande qui apparaît sur la vidéo, donc c'est à cause du logiciel de montage gratuit que j'ai pris sur mon PC. Du coup, j'essaie de voir si je peux pas en récupérer des meilleurs, mais j'avoue que c'est assez chiant parce que autant sur mobile, les gratuits font vraiment le taf, autant sur PC, souvent, c'est très très chiant pour en obtenir un qui marche et qui vous fait pas, parce que celui que j'avais pris marcherait bien, mais qui vous met pas une bande au milieu de l'écran. Donc, je vais essayer de régler ça. Excusez-moi encore pour ça. Je sais que ça rend quand même la vidéo moins appréciable à regarder. Même si, en soi, ça me fait chier plus que pour l'intro, parce que sinon, il n'y a plus que besoin, en gros, de m'écouter, même si l'image aide. Donc, je peux comprendre que c'était chiant. Et encore une fois, je m'en excuse. Donc aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment et comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature de la vidéo, premier combat classé en vidéo sur Pokémon Violet. Alors, je ne sais pas ce que prévoit de faire Thomas, mais sachez que moi, je pense que je ferai plus des vidéos sur les combats classés. Pourquoi ? Parce que, en fait, je pense que les lives seront moins vivants si, en fait, je fais des combats classés en live pour la simple et bonne raison que... c'est quand même très vite la même chose. Donc, je pense que en live, je verrai ce que je fais. Mais de toute façon, il y a plein de choses à faire au post-game et sur l'aventure. Peut-être que je ferai quelques combats classés. Mais je pense que les combats classés, Thomas, vous les ferez peut-être en live. Mais moi, je vous les ferai sûrement plus en vidéo. Voilà, donc et en live, je pense que je ferai plutôt soit peut-être compléter le Pokédex. Déjà là, faut que je finisse le post-game, donc je pense que je vais le finir avec vous après les événements. Enfin, il y a plein de choses à faire et je pense que je ferai plus donc les classer en vidéo et le reste en live pour que ce soit un peu plus vivant. Je pense que c'est mieux en tout cas à mon goût. Donc, c'est pour ça que je vous ferai, je pense, uniquement. Après, peut-être que je reviendrai sur ma décision. Mais les combats classés en vidéo. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette petite intro, n'aura pas été trop longue. J'ai essayé de tout condenser. Et sur ce, moins de blabla, plus de combats, générique. Donc les gars, nous revoilà dans le jeu, sans plus attendre, pardon, on va lancer le premier combat, donc c'est parti. Donc moi, comme je vous l'ai dit, je me bats en duo, donc j'ai fait quelques combats pour me mettre en jambe un peu sur les règles et sur les Pokémon
Et sur la nouvelle méta, donc comme vous avez pu le voir précédemment, j'ai 5 victoires pour 5 défaites. Je vous avoue que pour l'instant, j'ai un peu de mal avec la nouvelle méta, j'ai du mal à m'y habituer. Et c'est pour ça que j'ai dit ça dans l'intro, j'ai tendance à faire des gros misplays sur mes combats et souvent ça me coûte la victoire alors que j'ai dominé pendant tout le début du combat, quoi. Par exemple, bon, je vais pas vous raconter le combat, mais vous voyez, moi, ma win condition, c'est Dracolos. Une fois, j'ai fait un énorme misplay, je me suis fait one shot Dracolos par un close combat, sachant que bah, j'étais type normal, donc c'était évident. Il n'y a même pas besoin d'être un bon joueur pour venir voir ça. Et... Ah, ok. Et bah, du coup, j'ai perdu à cause de ça. Bon, j'aimerais bien que ça nous trouve un adversaire quand même. Ah, yes. Alors les gars, en plus, au moment où je tourne cette vidéo, attendez, parce que là, c'est pas... Hop. Hop. Voilà. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est mon premier combat, donc je suis pas du tout chaud ni rien. On va essayer de faire ce qu'on peut. Donc, je pense que... Je sais pas s'il va jouer sur la distorsion, mais à mon avis, il joue sur la terra cristallisation, soit de son char Thor, soit de son Karchakrok. Oh, elle est chiante, son équipe. J'ai jamais affronté une équipe comme ça. Je pense que je vais mettre... Ténéfix. Arcana. Il y a de fortes chances quand même qu'il utilise Motisma et du Karchakrok. J'aurais du mal à voir Nymphali et Spiritombe. On va mettre Dracolos, forcément. Soit je mets... En fait, j'ai changé d'avis au dernier moment, si ça se trouve, j'ai mis de la merde. Ah, j'aurais dû engager sur... Ah non, ok. Ok. Du coup, là, je pense qu'on va paralyser le Golet au premier tour. Ouais, bah, de toute façon, on peut que paralyser Golet, je suis con. Et on fait quoi sur Spiritombe? On pourrait essayer Génusection parce qu'il est pas rapide, je crois, Spiritombe. Ou soit on tape direct avec le Kuba. En fait, je sais, j'ai jamais affronté Spiritombe encore, donc je sais pas ce qu'il peut poser. On va tenter Génusection sur Spiritombe. Voilà, ok, on tape quand même assez fort. Oh putain, l'erreur. Oh l'erreur. Bon, bah là, c'est sûr qu'il va m'attaquer de toute façon. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va mettre coup de main sur... De toute façon, il faut jouer sur les priorités. Donc, à ce moment-là... Golet peut faire poudre fureur, mais s'il fait poudre fureur, j'ai le seum parce que... Attends, dans quel monde il attaque pas lui? Ah, mais il a fait Kuba aussi, d'accord.
Ah putain, j'avais pas prévu ça. Oh putain, les gars, ce combat va, et ça va être très chiant parce que, en plus, du coup, la Terra normale de Dracolos ne peut rien faire. Je pense qu'on va faire feu follet. Putain, ce qui est chiant, c'est que s'il m'endort tout le monde, Golé, là. Bon, je pense qu'il va pas se réveiller, Scalpereur, mais on va faire. En vrai, on va essayer Génusection sur l'autre. Ok, Chartor, bon, c'était à peu près sûr de toute façon que Chartor il allait le sortir. Attends, quoi? Mais j'ai pas. Ah, mais si, du coup, il fait genre j'ai attaqué. Ouais, du coup, le feu follet marche pas, ok, c'est normal. Donc, hop. Donc, attends, parce que là, Chartor, c'est Terra cristallise, éruption sous le soleil. Scalpereur, il décède, très clairement. Donc, ce qu'on peut faire, à ce moment-là, c'est mettre. Ah ouais, mais du coup, il sera plus rapide. Ok, donc on va essayer un truc. Envoyer au combat. Ah non, ah non, attends. Ténéfix, on va faire feu follet sur Chartor. Voilà. Voilà, parce que normalement, si je dis pas de conneries, c'est sur l'attaque. Putain, mais feu follet sur Chartor, mais ça fait pas de dégâts. Je suis trop con. Oh, j'ai tellement de chance de tanker. Oh, j'ai tellement de chance de tanker. Bon, clairement, les gars, je vais perdre. Hein. Là, j'ai fait de la merde, mais. Oh. Putain, c'est qu'en fait, Spiritomb, je savais pas que. Bon, bah, du coup, on va faire feu follet sur lui. Mais le truc, c'est qu'en fait, lui, il va se faire tuer parce que. Il y a la distorsion. Il a quoi, lui? Ouais, mais il va se faire tuer. Ça sert à rien de le retirer. Ah putain, j'ai le seum. Putain, comment j'enchaîne deux erreurs d'affilée comme ça? Attends, ça ne l'affecte pas? Non, mais faut arrêter là. Chartor, mec, je savais même pas que ça l'affectait pas. Chartor, je m'étais dit, ok, Chartor, c'est normal, il est feu, c'est normal que ça l'affecte pas. Mais pourquoi lui, ça l'affecte pas? Ah, hop. Ah mais oui c'est vrai, j'ai lui, moi je croyais il me restait que. Ouais mais dans tous les cas, qu'est-ce que tu veux que. Ouais en plus du coup là Dracolos il va être coincé sur un truc. J'allais dire, est-ce qu'on fait séisme? Parce que peut-être qu'on peut taper Chartor. Mais l'autre il pose la distorsion et après s'il pose la distorsion, faut jouer sur la priorité. Non mais on va essayer de jouer sur la priorité, on n'a plus que ça à faire en fait. Et faut essayer de tuer avec Scalpereur s'il se réveille, mais je pense qu'il va pas se réveiller. Oh le combat de merde que je nous ai fait là. Oh. Ouais, ok, ça. Les dégâts de Dracolos. Oh! Mamma mia! Ah bah oui, mais en plus, il va se faire tuer par éruption, je suis trop con. Ou peut-être pas, vu qu'il a perdu des vies. Mais bon, ça m'étonnerait. Ouais, non, c'était sûr, en fait. J'ai dit ça, mais. C'était sûr, avec l'attaque de Chartor, le soleil et tout, oui, non, je.
Il avait quoi dans son équipe? Il va mettre Karchak Rock, j'imagine. Ah mais non, Golet, et je pense qu'il a Karchak Rock en... Ouais, faut que je tue... Faut que je tue Chartor, et s'il fait Poudre Fureur, de toute façon, je peux que faire ça, donc... Ouais, bah... Bah ouais, mais j'aurais pu attaquer l'autre, ouais, c'est vrai. Et il va me faire sport, bah ouais. Oh, j'ai fait que de la merde. Bah oui, mais c'était sûr. Ah oui, les gars, aussi, mon gros défaut sur Pokémon, c'est que les Pokémon offensifs, là, comme Charter, j'ai trop tendance à oublier qu'ils peuvent faire abri. Bon, de toute façon, là, je dors, c'est mon tour de sommeil obligatoire. Oh, le désastre. Le désastre. Ouais, mais tous les... Allez, réveille-toi, Dracolos, après. Hein. De toute façon, j'ai perdu. En vrai, je dis ça, mais... Il va essayer soit... Bah, type feu, non? Ouais. Je vois pas l'utilité, sachant que de toute façon, il va me tuer à la prochaine éruption, sauf si je le tape. Dans ce cas-là, c'est juste une terra cristallisation dans rien. Mais bon, du coup, il va me tuer. Un désastre, un désastre. Bon bah bien joué à toi mon gars. Hein. Du coup les gars, oh, le Draco Shiny là sur son profil était clean. Du coup les gars, on se retrouve directement pour le deuxième combat. Du coup les gars, nous voilà sur le deuxième combat. Donc clairement, je pense qu'il va mettre Cornèbre en premier. Pff, clairement, je pense qu'on va mettre Ténéfix, Scalpereur. Dracolos et... Je peux pas mettre Arcanin, il y a trop de types O dans son équipe. Super Dauphin, ça ne servirait pas grand-chose, je vois pas. Je pense que je vais mettre Golet. Ouais. Attends, on a qui? On a Ténéfix, Scalpereur, Golet. Attendez les gars, je reviens. Désolé, j'ai dû m'absenter pour problème technique. Du coup. Putain, fais chier! J'ai pas eu le temps. J'aurais voulu faire une section sur... sur Cornèbre. Purée. Oui, bah, ça va rien lui faire à lui.
Putain, je suis dég, j'aurais pu le tuer, quoi. Est-ce qu'on ferait pas de tricherie? Ah oui, non. Mais non, Kuba, je suis con, on gira jouer pour rien, en fait. Est-ce qu'on ferait pas plutôt coup de main? Je pense, il va mettre vent arrière avec corner, il devrait donc attaquer avec l'autre, donc pourquoi je pense qu'on ferait pas coup bas sur lui. Tant pis, on le laisse poser le vent arrière, mais le truc c'est que là, son Golden Goal là, il est trop dangereux pour que je le laisse en fait. Donc je pense, par contre, s'il attaque pas, je. Putain, mais mec, mais je comprends pas. Oh, fait chier. Bon bah autant vous dire que là je suis dans une sacrée merde. Feu follet, mais il a augmenté son attaque spéciale, donc je vois pas pourquoi il taperait sur l'attaque. Et du coup. Ah bah oui, mais non, donc là il peut attaquer potentiellement, puisqu'il s'est placé. Donc coup de main sur Scalpereur. Et coup bas. Voilà. Voilà, ok. Parce que Corned n'est pas très dangereux, hein. Il est très méta pour vous poser le vent arrière. Mais n'est pas le gars le plus dangereux, hein, loin de là même. Donc oui, bien sûr que sur Golden Go faut faire coup bas, mais bon là du coup Super Dauphin va bien me faire chier parce que est-ce que j'ai pas un truc super efficace? Bon. Ah bah par contre le feu follet peut être très fort sur Super Dauphin. Oui, pareil, je pense qu'il va attaquer, donc le coup bas peut aussi. Bon, je pense que ça va partir là-dessus, hein. Ouais, le coup bas tape quand même fort. On va poser le feu follet sur. Ouais, ok. Je pense que le feu follet, c'est la meilleure des choses à faire, parce que comme ça, son talent ne sert entre guillemets à rien. Voilà, bon, il me tue, mais au moins. Bon, c'est sûr, au prochain tour, déjà, il décède, hein, très clairement. Et bon, bah là, j'ai envie de dire, les gars, on va pas trop se poser de questions, hein. On va tout simplement faire. Pardon, on va tout simplement faire. Il est brûlé, oui. Donc coup de main sur Dracolos et vitesse extrême sur Super Dauphin. À voir qui est son troisième Pokémon, mais. Allez, il faut que tu le tues. Bien joué, ok. Donc là, il lui reste Cornèbre et un autre. Mais nous, on a notre Draco Los. Oh, j'ai pris tarif sur. Oh, et en plus, il n'y a plus le vent arrière. Ok, ça, c'est nice. Putain, ça veut dire que par contre, je résiste pas à. 1 deuxième. Tricherie, c'est quoi? C'est de l'attaque. Ah, donc je pourrais peut-être faire feu follet. Et dans ce cas-là, ouais, mais il va attaquer. Ouais, mais non, il va attaquer. Ah.
Oh non, non. Oh la catastrophe. Oh putain, j'ai le seum. Parce que là, il me reste que Golé, mais Golé, t'as pas. Bon, de toute façon, là, à mon avis, on va faire poudre-fureur. Toute façon, tricherie, même si c'est pas très efficace, on va forcément le tuer. Ouais, mais là, il va m'attaquer, il est plus rapide que moi. Envie de dire, on va faire ça, hein. Tricherie fait pas grand-chose à gauler. Voilà, bon bah les gars, pour ce deuxième combat, une victoire non sans mal, mais j'ai su garder, on va dire, mon sang-froid, donc à la fin. Désolé, j'ai un peu ragé au début parce qu'en plus j'ai pas eu le temps de faire ma manip, donc je suis vraiment content d'avoir gagné sur ce combat parce qu'en plus au début j'ai pas pu faire ce que je voulais faire. Donc je suis vraiment super content d'avoir gagné ce combat parce que j'ai pas fait trop d'erreurs. Le gros misplay que j'ai fait dans ce combat, c'est sur la mort de Dracolos. Je peux pas le laisser mourir comme ça, bien sûr. Mais je trouve que pour quelqu'un qui a pas fait ce qu'il voulait pour sur sa première action du combat, je me suis quand même bien débrouillé. J'ai su gérer le match-up à la fin. Sur la baie de Ténéfix qui tombe à merveille sur la câlinerie de Miascarade. Donc, on aura gagné, mais pas sans mal, comme vous avez pu le voir au titre de la vidéo. Donc, même si j'ai un peu fait de la merde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous avez d'autres choses, d'autres critiques à me donner par rapport à mon combat, à mes combats, n'hésitez surtout pas. Et bien sur ce, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ou de prochains lives. Sur ce, je vous dis à plus et Mamba Forever.